Bonjour, le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte qu'on surnomme l'appel de Moïse par Dieu, début du chapitre 3. Ce terme-là d'appel, c'est resté dans nos églises, hein, souvent. Dieu m'appelle à faire ci ou Dieu me dirige à faire ça. Puis, par exemple, dans l'Église unie, on n'engage pas un pasteur, on appelle un pasteur ou un pasteur se sent appelé à un certain ministère. Et comme j'ai dit au début du chapitre 3, ben, on a Moïse qui... on se souvient du début de l'histoire, du petit bébé là, dans un panier, flotte sur l'eau, recueilli par une princesse égyptienne. Ce qu'on comprend, c'est que Moïse se ramasse dans du trouble, puis il est obligé de fuir l'Égypte. Et lorsqu'on le retrouve, là, au début du chapitre 3, il s'est marié, il a une épouse, il travaille pour son beau-père. On pourrait dire qu'il s'est casé, là. Un peu peinard, il fait ses petites affaires. Bon, c'est pas la vie de château, là, d'un grand prince en Égypte, mais ça pourrait être drôlement pire. Fait que ça va pas pire. Et c'est à ce moment-là, comme c'est souvent le cas dans la Bible, comme c'est souvent le cas dans nos vies, que Dieu débarque par surprise, pas invité du tout, et qui nous provoque, nous met au défi, nous appelle à faire quelque chose. Et cet événement-là, dans la vie de Moïse, ça change tout. Là. C'est, en anglais, on appelle ça un game changer. Là. C'est un événement qui change une existence. Parce que Moïse le sait, là, s'il accepte, s'il dit oui, tout va changer. Tout va changer. Là. Son existence, son mode de vie, ce qu'il va faire pour le reste de sa vie. Puis Moïse sait que il n'y a pas vraiment moyen de revenir en arrière une fois qu'on a dit oui. On ne peut pas se présenter face au pharaon, face à une des plus grands empires de l'Antiquité, puis dire, ben là, j'aimerais ça que tu libères mon peuple. Pharaon dit non, puis il dit, ah, c'était juste une joke, oublie ça. Ça marche pas, là. Une fois qu'on dit oui, on est pris dedans d'une certaine façon, je pourrais dire. Et c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment surpris de lire que ça y tente plus ou moins Moïse de faire ça. Puis il essaye plus ou moins de trouver des excuses ou des raisons pourquoi qui pense qu'il ne peut pas le faire. Il dit, ben, ils ne m'écouteront pas, je ne suis pas bon pour parler en public. Puis la liste continue. Et Dieu répond un peu comme, j'enregistre ça, puis c'est un peu le début des classes scolaires, un peu comme un parent au début de l'année scolaire avec un plus jeune enfant. Il dit, oui, je comprends, j'ai entendu, mais tu vas le faire quand même, tu vas y aller quand même. Et c'est un peu ça le message que Dieu envoie à Moïse. C'est oui, je le sais. Mais je prends pas un non pour un pour comme une réponse. Là. Non, c'est pas une option. Là. Tu vas le faire. Puis lorsqu'on ramène ça à nous, je pense qu'on est tous et tous appelés à faire quelque chose. Cet appel-là. C'est très rare que ce soit aussi spectaculaire et dramatique comme dans le cas de Moïse, mais quand même, je pense qu'on a tout notre rôle à faire. Je pense qu'on est tous invités à être impliqués dans notre monde. Et des fois, c'est plaisant. Des fois, c'est peut-être un peu plus gros qu'on voudrait. Ou c'est pas pantoute ce qu'on avait planifié puis que ça se pointe devant nous. Puis des fois, des fois, on a ce réflexe-là de dire, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Là, j'ai rien de spécial, puis pourquoi moi, il faudrait que je fasse ça? Et la réponse de Dieu à Moïse nous enseigne que ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Pourquoi toi? Parce qu'il y a quelque chose à faire dans ce monde-là, il y a quelque chose à améliorer dans ce monde-là, fait que pourquoi pas toi? Pourquoi? Fait que de se faire dire, ben, arrête d'être assis sur ton steak, puis implique-toi, rentre dans le game, arrête d'être un spectateur, puis deviens un acteur, un agent de transformation, t'es capable, tu peux le faire. Puis ça fait peur, c'est intimidant des fois.
Mais je pense un des points cruciaux dans toute cette histoire-là, c'est que Dieu dit, hey, papa, je vais être avec toi tout au long du processus, tout au long de ce que tu as à faire. C'est pas un Dieu qui dit, OK, je te donne une mission, puis après, débrouille-toi, je ne veux rien savoir. Non, non. C'est un Dieu qui nous dit, c'est peut-être pas facile. Je le comprends. Mais tu ne seras pas tout seul. Ça, c'est la garantie que je te dis. Je te donne pas la garantie que ça va être facile, mais je te donne la garantie que tu ne seras pas tout seul. C'est un peu ça que je vous souhaite cette semaine, c'est de réaliser, de comprendre ou d'avoir une affirmation de qu'est-ce que vous êtes appelé à faire dans le monde. Que ce soit religieux, que ce soit social, peu importe. Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire? Et comment que vous réagissez? Puis de trouver, de dire cette force-là, ce courage-là, de dire oui. C'est peut-être pas ça que j'avais planifié, mais oui, je suis capable de le faire. Oui, je vais relever le défi. Oui, je vais accepter ce qui se présente devant moi. Puis d'écouter, de dire, ben, c'est pas facile, mais Dieu va être là. Puis je serai pas tout seul. Fait que je vous souhaite d'être capable d'identifier ces moments-là puis de trouver le courage de les vivre. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien et à la semaine prochaine, au revoir.